Coucou les filles, je vais vous faire une petite vidéo exclusivité pendant que la vidéo sur mon rituel dimanche est en train de charger sur le PC. Alors en fait, je viens juste vous raconter que j'ai fait ma BA de la journée. Bon, une BA qui s'est pas avérée être une vraie BA, mais quand même, fallait que je vous raconte cette histoire. C'est-à-dire que là, je viens de rentrer chez moi, j'étais allée me balader parce qu'il y avait eu une petite éclaircie dans le ciel et un peu de soleil. Donc j'étais partie me balader en colline dans un endroit que j'affectionne particulièrement. Pas seule, hein, je vous rassure. Avec plusieurs chiens, tout ça. Bref, pour promener mon doudou et tout. Qui d'ailleurs, comme vous pouvez le constater, est en train de dormir à bloc là. Voilà. Il est sec, forcément. Donc, nous voilà partis, on se balade, tout ça, machin. On fait un grand tour, c'est super sympa. Donc c'est un endroit que j'adore et tout. On croise plein de gens avec des chiens, on discute, tout ça, très bien. Et puis, à un moment, on croise un épagneul, seul au monde, là, comme ça. Bon, d'accord, très bien. On croise un petit épagneul qui court dans tous les sens, donc il vient jouer avec nos chiens, comme d'hab. Et puis, il se casse. Et puis, cet épagneul tout fou, hein, qui n'avait a priori pas de maître aux alentours, donc avec un collier de chasse, quand même, mais pourtant, on n'a pas vu de chasseur, pas de clochette, revient vers nous en cavalant. Il avait quelque chose dans la gueule, en fait. Et, tu sais, qu'est-ce que c'est, tout ça? Et puis, je m'approche du chien. Et en fait, dans la gueule, il avait un petit lapin, mais un bébé. C'est-à-dire un lapin qui fait la taille de ma main, quoi, à peu près. Quoi. Enfin, oui, la taille de ma main. Donc, un petit lapro, là, tout bébé, tout petit. Donc, j'étais en panique, parce que franchement, enfin, moi, je vous le dis, je suis végétarienne. Les animaux... Enfin, autant j'adore... je regardais la vidéo d'Anna Potter qui le disait tout à l'heure, et moi, c'est pareil. Autant j'adore le maquillage, j'adore la mode, j'adore tout ça. Mais autant les animaux, enfin, c'est ma première passion et c'est vraiment, j'y vaux un culte énorme. Bref, voilà, donc j'y vaux un respect de dingue et je les aime profondément et sincèrement, voilà. Après, chacun son truc, mais pour moi c'est comme ça. Et donc je vois ce chien avec ce petit lapro dans la gueule là et c'était horrible comme vision parce qu'il était là comme ça. Donc j'ai dit à mon ami, bah, tiens, prends les chiens, tout ça. Il a récupéré les laisses et en vrai Brigitte Bardot, parce que vraiment je suis une Brigitte Bardot. Et bien j'ai couru vers le chien, je l'ai fait un peu fuir, donc il a lâché le petit lapro. Donc mon ami qui était avec moi me disait, mais arrête, si le chien revient il va te bouffer. Franchement rien à foutre, moi dans ces cas là je n'ai pas peur, enfin je peur de rien de toute façon. Et donc je suis allée récupérer le petit lapro et en fait il n'était pas encore mort. Et il respirait encore et en fait il avait l'air d'avoir une patte un peu luxée ou cassée même, je sais pas. Mais pas mort, et donc mes tout petits, ils suffoquaient, enfin franchement c'était horrible, hein. J'avais les larmes, les yeux comme ça et tout là, parce que moi ça me touche tout de suite énormément, parce que j'imaginais sa maman dans son terrier là en train d'être en panique parce qu'il y avait plus petit et tout. Donc ça m'a retourné, hein. Après il y en a qui vont trouver cette histoire ridicule et j'en ai absolument rien à foutre, moi j'assume et je suis sûre que les trois quarts d'entre nous d'ailleurs on est comme ça. Donc je l'ai pris dans mes bras et tout ça, donc mon ami m'a rejoint. Le chien, il a voulu se rapprocher, on l'a fait fuir. Et puis c'est vrai qu'il avait donc sous le ventre, en fait, ben, un coup de croc, quoi. Et moi, je dis, mais il me dit, qu'est-ce que tu veux en faire? Il me dit, c'est la loi de la nature. Non, non, pour moi, c'est pas du tout la loi de la nature. C'est pas juste, quoi. Donc du coup, je dis, ben, on le ramène. Donc nous, la partie avec le lapin, tout ça. Donc je le tenais là, hein, collé à moi. Il était dans mon truc, là. Collé contre moi, enfin, dans ma veste et tout ça. Et puis... Et je dis non, je vais m'en occuper, donc je me voyais déjà aller demain chercher cage, copeaux, tout ça, tout le tralala. Je le tenais tout, mais serré contre moi, j'entendais son petit cœur et tout. Et puis, bah, à un moment, en fait, bah, il est parti, quoi. Voilà, il était trop, trop esquinté, et il a pas tenu le choc, quoi. Il a pas tenu le choc du tout, et... Enfin, c'était pas possible, quoi. Donc, du coup, je voulais pas le laisser là, qu'il se fasse bouffer quand même. Donc, moi, je vous dis, l'endroit où on s'est baladé, c'est un endroit que j'affectionne particulièrement. J'ai enterré mon petit chat il y a pas longtemps là-bas, ma petite Luna. Et donc, on a emmené le petit lapin et on l'a mis à côté, voilà. Parce que moi, j'ai du respect pour les animaux. Encore une fois, celles et ceux qui trouveront débile mon histoire, sachez que peu importe les commentaires que vous pourrez mettre, j'en aurai rien à faire du tout. Moi je suis très fière de ne pas avoir laissé ce petit lapin comme ça là tout seul, loin de tout, loin de ses frères et sœurs, loin de sa maman. Bah, on l'a accompagné jusqu'au bout et je n'ai pas pu le sauver à mon grand désespoir, sinon il serait là, hein, sinon il serait dans la maison. J'ai pas pu le sauver mais en tout cas j'ai fait tout pour et j'en suis fière. Voilà, je suis fière d'avoir fait tout pour sauver ce petit bonhomme et puis au moins il n'est pas mort comme ça déchiqueté, et il est mort dans mes bras et contre moi. Et c'était important pour moi, voilà, parce que je...
On a tous le droit et les animaux ont droit à une belle fin et voilà. Donc après, bah c'est comme ça, hein, le chien il a chassé, après ça on peut rien y faire. Hein. Mais voilà, donc je suis un peu triste de ne pas avoir réussi à le sauver, mais au moins j'ai tout fait pour et c'est en ça que je dis j'ai fait ma BA. Bon, merci d'avoir écouté ces presque 6 minutes de blabla sur ma péripétie de l'après-midi. Et bah écoutez, aimez celles qui sont comme moi, qui aiment les animaux, qui aiment les toutes ces petites bêtes là qui nous apportent tellement de bonheur là, tous ces petits doudous là comme ça là, vous voyez? Vous voyez mon doudou où il est? Bah il est pas là. Il est là. Non, il est pas là. Ah, il est là. J'arrive pas à le filmer. Donc voilà, toutes celles qui sont touchées par, par les animaux comme moi, bah, cliquez sur j'aime sur la vidéo, comme ça on se comprendra. Bisous les filles!